plus haut. Voilà. Hop, costal de l'autre côté. On lève la jambe, le bras et on bouge tout ça. On bouge. Bougez. Voilà, perturbez votre équilibre. Hop, on repasse appui facial. Impeccable. Toujours sur les obliques, parce que je vous dis, les obliques sont hyper importants. Je lui envoie le medicine ball. Il reste en équilibre fessier. Il fait une fin de passe ou de tir à deux mains là-bas. Et il me la renvoie à deux mains. On a parlé des fixateurs d'omoplate. Donc je lui demande d'être ici, coup de haut, et de me la renvoyer plutôt moi derrière. Alors je suis là, je lui envoie, t'es prêt? Tchac, fin, tchac, fort! Fort! Ouais, c'est bon. Allez, c'est parti, vous en faites une dizaine pour montrer. Oui, bien. Poignée. Oui. Fini poignée pour ta contre-attaque. Voilà, parfait. Et toi, comme il tourne ses fesses, toi, tu tournes avec. Travail des obliques ici, de côté. Alors, il faut prendre des précautions pour pas compenser. Un des problèmes, et surtout chez les jeunes, c'est le placement ici du bassin. Donc, on fléchit légèrement les jambes. Et il décolle les jambes du sol. Mets-toi sur l'épaule, c'est avec cette main-là que tu vas travailler. Il faut qu'il garde absolument le bassin perpendiculaire au sol, parce que vous allez voir, ça va s'avachir et ça va partir sur le dos, et là c'est plus bon. Et puis là on est par deux, et je me mets ici, et il vient toucher avec sa main. Tu décolles là, décolles, les deux. Non, tu décolles tes deux jambes, voilà. Et maintenant tu travailles, c'est parti. Non, tu viens avec cette main là. Et c'est pour t'empêcher de tomber. T'es bon? Allez, vas-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, vous faites une série de 10. Ça, c'est 15-20 normalement, à droite, à gauche. Non, mais il ne faut pas que tu descendes. Monte. Voilà. En veillant à ce qu'il ne descende pas ses pieds trop loin, parce que s'il descend ses pieds trop loin, il va cambrer, il va se faire mal au niveau du dos. Allez, vous le faites 5-6 fois. Alors, sur les obliques, pendant qu'ils font l'exercice, il y a une autre manière aussi de les travailler. C'est bon. Il y a une autre manière de les travailler en excentrique. Tu mets un genou, ton genou par-dessus le... Non, en crochet, comme ça. Excuse-moi. Ça, croise. Voilà. Donc, exercice traditionnel que vous connaissez ici. Pour travailler en concentrique, faut qu'il amène cette épaule-là ici. Vas-y, tu te mets comme tu veux, là, vas-y. Faut pas tenir la tête. Tourne. Tourne l'épaule, tourne. Voilà. Plusieurs le genou maintenant. Voilà, pas trop. Voilà, parfait. Ça, c'est en concentrique. Donc, il faut surtout tourner. Maintenant, alors souvent, qu'est-ce qu'ils font, les gars? C'est le gros travail du coude. Hein, fais-le avec le coude seulement, tu sais, là. Non, mais tu sais, quand tu y en a, tu sais, voilà. Bon, c'est pas trop mal, ça, mais pas suffisant au niveau de la longueur travaillée. Si on le fait, c'est pas le coude qui doit toucher, c'est l'épaule qui doit venir. Ça, c'est bon. Et pour travailler en excentrique, là-bas, vous allez pas voir, il vient ici. Et moi, j'appuie et il freine. Garde ça là, vas-y. Voilà. Et là, freine le retour. Reviens. C'est lui qui résiste, vas-y, reviens. Résiste, et tu descends, voilà. Là, c'est mal gainé. Il faut pas que le bassin tourne. Il faut que les garçons gardent le bassin. Reste la jambe au sol, voilà. Ne cambre pas. C'est pas mal, ça. Toi, tu cambres un peu. Tu cambres, voilà. Là, regarde le sol pour pas cambrer. Ça, c'est bien. Il faut pas que le bassin tourne. Pour l'instant, c'est parfait. Écarte un petit peu tes bras. Écarte tes bras, c'est plus difficile. Gaine ici. Ne lâche pas. Parfait. Après, les jambes. 2 secondes de récup. Hop, les jambes, c'est parti. Et ça, ce gainage-là, au départ, donc, pas de contraintes. Après, les contraintes, ça peut être comme là, du travail. Tu écartes les jambes, tu sais. Voilà. Perturber l'équilibre. En écartant les jambes, en faisant un battement. Après, quand les jambes sont très forts, mettre sur des petits coussins en mousse pour multiplier le déséquilibre. Alors, hyper important, c'est le travail d'appui. Le travail d'appui, de manière traditionnelle, surtout à haut niveau, dans un premier temps, on l'a abordé par rapport à l'athlétisme, tout ce qui est dans l'axe. C'est important. C'est important comme éducatif, en particulier pour... renforcer le travail des chevilles,
et du mollet qui est chez le handballeur souvent inexploité. Et quand je passe les tests, moi, sur les internationaux, au départ, on s'aperçoit qu'on a des grosses déficiences. Oh, oh. Donc, il y a une part de travail dans l'axe, c'est vrai. Mais très, très vite, il faut qu'on travaille sur les appuis latéraux parce que le handballeur, lui, il travaille pas comme un athlète. Alors, même si la base d'athlétisme, on doit la respecter dans l'échauffement et dans les éducatifs, très vite, il faut être sur le côté. Vers le haut, voilà, vers le haut les gars, pas vers l'avant, vers le haut, super, on monte la jambe libre, on monte le genou, droit, 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 ok, bien, les garçons, amenez-moi un medicine ball, vite, 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 deux medicine ball, vous êtes passés, si vous êtes passés, jambe droite devant, vous attaquez jambe gauche, bien, montez le genou, impulsion, il n'y a pas d'impulsion. Ok. On veut augmenter la contrainte sur l'impulsion et avoir une qualité dans le placement. Je mets le medicine ball là et je fais la même chose. Allez, droit. Parfait. Il est un peu lourd pour toi, ça fait rien. Vas-y, t'es bon. Allez, c'est parti. Hop, suivant. Plus haut. Pousse. Pousse. Reste droit, garçon, reste droit. C'est pas mal. C'est bien, c'est bien. Non, non, deux appuis, les gars, deux appuis. Non, prendre la vitesse avant. Non. Oui, aïe, aïe. Jambe gauche. Oui. Pousse. Pousse. Pas mal. Sauf que c'est bien. Sauf que maintenant, je veux temps fort, temps faible, temps fort, temps faible. On repasse pour que ça soit bon maintenant. Et regardez les progrès que peut faire un joueur. Temps fort, temps faible. Fort, faible, fort, faible. Vas-y, allez. Fort, faible, fort. Eh oui, un peu, c'est beau, hein. Bien, très bien. Voilà, super ça. Et après, plus vite, on joue sur les rythmes. Regarde, droit, droit, droit. Les bras maintenant, la tête, tête et droit. Non, tu croises, c'est pas bon. Oui, bien ça, très bien. Parfait. Lui, il passera à la séance d'avant, quoi. Bon, on va un peu vite, on revient ici. Donc là, vous voyez qu'on peut jouer, on peut faire plein de trucs sur les petites haies, rien que sur le travail latéral. Voilà, deux, 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 deux. Deux appuis, les gars, vite, de côté. Non, deux, oui, mais plus vite. Oui, c'est mieux. Non, deux appuis, mais même rythme, même rythme. C'est mieux. Pas mal, ça. C'est bien ce que tu fais, toi. Même chose de l'autre côté. Parfait. Ça y est, tu nous fais du 2-2, là. Non, non, deux faces. On repart deux faces. Deux faces, deux faces au départ. Allez, vas-y. Deux appuis, un appui. La balle a été changée de place. Il y en a un qui me l'a. Allez-y, les gars. Allez, ça passe de plus en plus vite. Pas mal. 2-1. Parfait. Ok. Maintenant, même chose de côté. Deux appuis, un appui là. Vite, vite, les gars. Eh, hey, vous êtes vache de les laisser devant. Non, là, 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 deux de côté, donc, hey, sans croiser. Là, au départ, je croise pas, donc je vais faire ça, j'en reviens là, faut que j'attaque ici, et après j'enchaîne. Allez, go, vas-y! Si on veut, vas-y, un, ouais. Eh, faut impulsion à chaque fois! Impulsion! Impulsion! Immédiatement derrière, tu me fais 4 poussées maximales sur chaque cuisse. Je te le tiens, je te le tiens, je te le tiens. Non, de côté, de côté, de côté. Tu sais, tu le fais là, tu retombes de l'autre côté. Voilà. Va moins vite et pousse plus fort. Plus fort vers le haut. Super. Impeccable. Prends ta balle de hand. Là, tu me fais en plio.
tu vas tomber en isométrie à chaque fois à 90 degrés. T'arrêtes. Un, deux, et au troisième, tu tombes, charge ici et tire. C'est parti. Tu tombes légèrement décalé à gauche, de manière à après faire ton 1 contre 1 sur la droite. Voilà, prêt. Donc là, je lui demande de l'isométrie, ça pourrait être de l'élasticité. Et voilà, super, impeccable. À toi, t'enchaînes. Les garçons, vous, après, vous allez pouvoir vous amuser un petit peu là-dessus, mais pas tous. Trois qui viennent et qui se préparent là, qui s'échauffent en se faisant des passes. Trois qui se préparent. Alors, là, vous allez me dire, le gardien, il roupille. Il roupille parce qu'il n'y a que deux joueurs. Donc, s'il y avait que deux joueurs dans la séance, lui, il aura un travail entre les séries. Et s'il y a toute l'équipe, nous, on le fait au niveau de l'équipe de France, les gardiens, ce jour-là, ils ne peuvent que s'occuper des tirs. Parce que sans arrêt, il y a un joueur qui est prêt à travailler. On travaille, nous, avec quatre ateliers. Pour une équipe de 14, on travaille avec quatre ateliers, ici, là-bas, là, là. Et les gardiens, ils n'arrêtent pas. Mais par contre, il faut... Oh ! Par contre, il faut tenir les fiches d'observation de tir. Il ne faut pas supporter de ne pas marquer la réussite ou la non-réussite des tirs. Vas-y. Alors. Parfait. Alors. Une seconde. Là, normalement, pareil. Si vous voulez faire vraiment une séquence de tirs qui profite, il y a un passage avec charge et après il va faire deux tirs à son poste. Va faire deux tirs à ton... Et tu me mets un plot et haut. Excuse-moi. Tu mets un plot, tu prends une haie et tu t'obliges à faire intérieur-extérieur. Et tu fais deux tirs. Toi Seb, tu fais la même chose, tu passes une fois et après tu pars que de la dernière haie ou tu pars sur une jambe, ici, tu sautes sur ta jambe gauche et tu enchaînes. Vas-y, à toi ici. Et pousse. Ok. Alors, autre travail qui peut être fait avec la barre de musculation dans la salle. T'en fais deux et tu reviens, Seb, après. Ok. Seb, les prochains, sans le saut... Tu pars à côté, sur cette jambe-là, tu fais un cloche-pied et t'enchaînes. Parce que là, le saut, évidemment, c'est pour avoir une charge musculaire, mais on s'éloigne de la réalité du tir. Comment tu passes? Mais non, regarde, ah oui. Ouais, ça c'est parfait, ouais.